Non mais le gars a un coup de chat exceptionnel. Il arrive à Besançon, faut charger et trouver une prise. Bon, c'est un parking tout nul, mais la prise fonctionne. Alors j'ai vu plein de prises qui ne fonctionnaient pas. Je me branche et là, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, c'est tout trempé. Il pleut, mais vraiment beaucoup. C'était pas du tout prévu à la météo. Et le mec charge pendant qu'il pleut quoi. Ça va trop pas ensemble. Le mec arrive à charger quand il pleut. Genre c'était vraiment calculé, mais j'ai trop de chance. Parce que là je me serais abrité, j'aurais sûrement pas roulé. Et je vais mettre ce temps à profit pour charger, mais what. Un autre tripper qui s'appelle Caro. Et en échange d'une prise, il m'offre le café. Donc merci Caro. De rien, monsieur. Et donc lui aussi il fait une grande aventure. Parti de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ça? À Slovaquie. Jusqu'à la Slovaquie. Waouh! Au revoir, mon ami! Bon, je m'en vais de mon petit point de charge. Il fait beau, il pleut plus, c'est cool. J'ai fait la rencontre exceptionnelle de Caro, un Slovaque qui passe 4 mois sur son vélo. Il a fait la Via Rona, il est passé à Lyon, il a fait exactement mon trajet. C'était une belle rencontre. En fait, le gars, il cherchait une prise électrique pour recharger son téléphone. Puis il m'a vu, moi, en train d'être branché. Il m'a dit, est-ce que je peux prendre un de vos ports USB? Donc voilà, je lui ai libéré un port USB, il a chargé son matériel. Et en échange, il m'offre le café. Donc c'était vraiment cool, hein. vraiment appréciable. Seulement, moi, donc j'étais parti pour charger plus longtemps. Et puis là, il y a un employé du théâtre qui me fait, ouais, le gardien, il va passer dans 10 minutes. Et il est vraiment pas aimable, je préfère vous prévenir, il va vous chasser. Donc là j'ai fait, c'est bon, là, je remballe mon matériel. Bon, je filme tant qu'il fait encore jour, parce qu'il va faire très bientôt nuit, on verra plus rien. Donc aujourd'hui ça a été une bonne journée de 130 km. J'ai bien roulé, j'ai vu des paysages magnifiques, vous avez vu les images, je me suis régalé. Et là, voilà, je suis arrivé dans un petit village, j'ai trouvé cette prise. À côté, il y a un parc, il y a un grand parc où je vais pouvoir poser ma tente. Donc très bizarre cette prise, parce qu'en fait, il s'agit de la façade d'une école maternelle. Et j'avoue que d'habitude, je regarde jamais les écoles, parce qu'ils font vachement attention à ce qu'il n'y ait pas de prise à portée des doigts des enfants. Et là, visiblement, ils se sont bien plantés, puisque il y a cette prise alimentée. En plus, à hauteur d'enfant, je comprends vraiment pas. Enfin, c'est cool pour moi, j'ai bivouac plus la prise. Bref, je vous montrerai ma tente demain, parce que là, il va faire noir très bientôt. Et je vous dis bonne nuit, à demain. Bonjour, nous sommes mardi matin. J'entame le 4e jour du road trip. J'ai parcouru déjà 370 km, sachant que pour aller à Strasbourg, il y en a 640. Et puis 2000 en tout. Donc voici où j'ai passé la nuit. En fait, il s'agit du parc municipal de la ville de Baume-les-Dames. Donc c'est pas top comme endroit. Vous voyez, je suis au bord du chemin, il y a des jeux pour enfants. Je suis vraiment visible des gens qui passent, des gens qui promènent leurs chiens. Et donc je pars tôt. Hein. Vous voyez, il y a encore la brume sur la colline d'en face. Je vois à peine le village là-bas. Donc là, il est 8h du matin, je tarde pas, hein. C'est pour ça, les passants commencent à arriver, je vais pas me faire repérer non plus comme un SDF. Donc aujourd'hui, d'abord, on va commencer par faire des courses. Dans le village, il y a Super U, on va d'abord acheter de la nourriture,
Et ensuite, on va rouler, puis on va passer Montbéliard. Allez. Alors ça, c'est mon mets de road trip par excellence. Parce que c'est hyper compact dans le sac. Et ça peut faire plusieurs desserts, plusieurs goûters. Ça, j'en achète à chaque fois. Je vire l'emballage tout de suite. À l'intérieur, c'est du papier alu. Et ça s'écrase pas dans le sac. Alors regardez ce qu'on trouve sur l'Eurovélo 6. Ça s'appelle un relais, mais c'est entièrement gratuit, entièrement libre d'accès. Et regardez, c'est entièrement intégré sur la piste cyclable qui entre par là et qui sort par là. Ça, c'est directement l'Eurovélo 6. On trouve donc des tables de pique-nique au soleil, des tables de pique-nique à l'intérieur au cas où il pleuve. Ici, on trouve des toilettes hyper propres, bien sûr, eau potable. Dans la salle de pique-nique, on trouve plein de prises électriques. On trouve aussi des casiers pour laisser nos affaires en sécurité si on veut visiter la ville. Casiers dans lesquels il y a des prises électriques. Bon, je suis arrivé à Montbéliard. J'avais pas forcément besoin de charger, ça pouvait attendre 10 km. Mais j'avais surtout besoin d'une pause. Je vois un beau petit jardin où m'installer dans l'herbe et des prises. Fantastique! Alors bon, c'est parti pour une petite demi-heure de charge. Et en fait, je suis au sommet du château de Montbéliard. Bon alors là, je vous avoue que la vue n'est pas folle. Et je me demande même où est le centre historique au-delà de ce château. Montbéliard, j'ai surtout été surpris par la quantité de parcs et jardins. Toute une longueur de la ville qu'on longe avec l'Eurovélo 6, qui est un jardin. Mais ça a l'air d'être une ville super pour vivre. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a à visiter en tant que touriste. Donc voici le genre d'indication auquel j'ai appris à faire attention. Là, ça vous dit que l'Eurovélo 6 est à droite. En fait, le premier panneau sert de titre et il faut utiliser le fléchage qui est en dessous. En bas, la coulée verte, ça va à Belfort, c'est une autre voie verte. Donc là, il faut faire vraiment attention à ce genre de détails quand on roule sur une Eurovélo. Bonjour, j'ai très bien dormi. Regardez la vue depuis la tente. Bim! Nous sommes mercredi matin. Pour une fois, je fais le petit bilan au réveil dans la tente. J'en profite pour vous montrer un peu l'organisation que j'ai dans la tente. Vous voyez que la roue, elle est avec moi. Hein, elle me sert de table de chevet. Ça, c'est vraiment la grande force du road trip en gyro. Quand je pense que les road trippers en vélo doivent laisser leur vélo à l'extérieur, certains se le font voler pendant la nuit, ça arrive. Donc hier, j'ai fait 110 km. J'en suis à un total de 475. Et là, je vais bientôt juste d'arriver en Alsace. Et voilà, petit bivouac. Et vous voyez, je suis installé vraiment au bord de l'eau et je me suis mis ici parce qu'en fait je suis orienté plein est. Il y a le soleil qui va se lever par-dessus les arbres qui sont en face. Là il est 7h du matin, il fait encore très froid dehors, c'est pour ça que je sors pas. J'attends que le soleil se pointe et réchauffe la tente pour sortir et ranger. Donc aujourd'hui on va d'abord faire une lessive. Ensuite, on ira visiter Mulhouse, qui n'est plus qu'à 30 km. Ensuite, on terminera l'Eurovélo 6 et on attaquera l'Eurovélo 15.
Oh, les joies des grands itinéraires cyclables. J'ai revu mon ami Caro, que j'ai rencontré à Besançon. Ça fait deux jours après notre rencontre, on se recroise encore. Alors lui, il roule beaucoup plus doucement que moi, mais c'est parce que j'ai fait un grand arrêt petit-déj lessive. Et du coup, je l'ai recroisé à l'instant. C'est fantastique, ça. Et à nouveau, grand accueil. Il m'offre le café. Bon, je venais juste en prendre un, donc j'ai dit non. Mais c'est trop marrant de retrouver des road trippers avec l'effet yo-yo comme ça. On se croise, on se double, on se recroise. Malheureusement, c'est la dernière fois que je le croise parce que moi, après Mulhouse, je prends direction le nord jusqu'à Strasbourg avec l'Eurovélo 15. Je change d'Eurovélo. Et lui, il continue sur l'Eurovélo 6. Il va à Basel. Et ensuite, il ira jusqu'à chez lui en Slovaquie. Donc lui, il en a encore pour plusieurs semaines, peut-être même mois de trajet. Tandis que moi, je devrais être à Strasbourg demain. Allez, petit moment d'émotion. Après environ 300 km passés sur ma chère et tendre Eurovélo 6 que j'affectionne tant, c'est le moment de la quitter. Je m'en vais sur l'Eurovélo 15. Alors là, j'avoue que le panneau, il pourrait être plus clair. Tous ces chiffres-là, je pense que c'est les véloroutes allemandes, je sais pas, véloroutes d'ici. Allez, c'est parti pour l'Eurovélo 15. Bon, ça fait 70 km que je roule. J'avais vraiment besoin de m'arrêter pour charger. Alors non pas que je sois à sec, hein, il n'y avait pas d'urgence. Mais bon, plus j'attends, plus ça fait du temps à charger, du temps à attendre devant la prise. J'arrive ici, je vois une place toute neuve, très bien aménagée. C'est la mairie. Là, ça veut forcément dire alimentation électrique. Généralement, dès que les communes aménagent des places toutes neuves, ils mettent des prises pour qu'il se déroule des événements, se déroulent des petites fêtes communales. Et je vois ce placard entièrement cerclé de bois. Bon, au début je pensais que c'était un local à poubelle. Et je m'aperçois donc qu'il y a des portes. Et ces portes, elles s'ouvrent, alors je sais pas si on voit bien sur la caméra, avec un embout carré. Et moi, je passe tous mes road trips avec un lot de clés pompiers qui me permet d'ouvrir plein de placards. Donc voilà, j'ai juste inséré cet embout ici, ouvert, hop, et à l'intérieur on trouve impeccable. Donc voilà, je mets discrètement ma multiprise, je referme et je vais passer du temps ici. Là, je suis juste en face de la mairie, donc je vais éviter qu'on me fasse des remarques. Mais super sympa, il y a de l'eau, là-bas il y a même une petite bibliothèque gratuite, il y a de quoi s'asseoir. C'est calme, donc je vais apprécier l'endroit. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Bon, ce soir c'est nuit en camping parce que demain soir je devrais arriver à Strasbourg, donc là je vais pouvoir me laver histoire d'arriver chez mes amis tout clean. Mais bon, c'est un de ces tout petits campings municipaux, il n'y a même pas de clôture qui nous sépare d'extérieur, seulement 10 euros et lake incluse. Franchement, pourquoi s'en priver?
Et en plus, je suis juste à côté de Neuf-Brisach. Si j'ai bien compris, c'est une cité médiévale qui vaut vraiment le détour, donc j'irai visiter ça dès demain matin. Ce qu'on voit au fond là, c'est l'Allemagne. En fait, ici, on est seulement à 900 mètres de la frontière. C'est le dernier village avant l'Allemagne. Et depuis tout à l'heure, en fait, je me rends compte que l'Allemagne, c'est que des montagnes. Voilà, ça je ne savais pas. Je pense que les gens du coin vont rire de moi et moi je ne savais pas. Donc aujourd'hui, j'ai parcouru 95 km. Petite journée, mais bon, vous avez vu, hein, j'ai fait une lessive. J'ai pris un bon petit déj, j'ai chargé ma roue à 100% dès le matin. Ensuite, j'ai pris du temps pour visiter Mulhouse. Petit coucher de soleil. Donc 95 km parcourus aujourd'hui, ça m'amène à un total de 575 en 5 jours. Je suis plutôt fier de moi. Et il m'en reste 90 pour Strasbourg. Donc je pense qu'il y a demain soir. Sauf si la visite de Neuf-Brisach me prend vraiment beaucoup de temps. Dans ce cas, bah, j'y serai vendredi. De toute façon, il faut que j'y sois vendredi après-midi. Parce qu'ils organisent un tour de la ville pour moi vendredi soir. Et je pose mes affaires chez Yannick. Voilà, à demain.